Salut mes chers zéros, j'espère que vous vous portez très très bien. Je voudrais continuer, puisque j'ai fait une petite introduction sur les nodes, les nœuds dans Cinema 4D. Je voudrais faire une petite vidéo quand même pour vous dire que, autant c'est. Moi je suis emballé hein, par ce genre de choses, j'utilise ça depuis des années dans d'autres logiciels. Autant sous Cinema 4D c'est un petit peu embarrassant, donc je voudrais faire un petit point. Je voudrais vous parler des quelques avantages et inconvénients que je connais et qui m'embarrassent le plus concernant les nodes. Alors, les nodes SYN, c'est des éléments qui sont complètement séparés de la liste des éléments qui sont là. Bon, ça c'est une chose. C'est à la fois bien et pas bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que les nodes, d'un point de vue de la scène, ils arrivent à la fin du calcul de tout ce qui est dans la liste des objets ici. Ce qui fait que les nœuds dans une scène, des nodes SYN, peuvent accéder à vos objets. L'inverse n'est pas vrai. Vos objets ne peuvent pas accéder aux nœuds de la scène. Dommage. Je dis un peu dans le désordre hein, ce qui me vient. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est qu'il y a un petit côté qui continue d'être expérimental. Les nodes SYN, si je me rappelle bien, sont apparues. Enfin, les nodes sont apparues dans Cinema 4D avec la release 23. Je ne parle pas de la 2023, mais de la 23. 23, 24, 25, 26, ensuite 2023, mais aujourd'hui 2024 et aujourd'hui depuis quelques jours 2024.2. Et il y a toujours, tout au bout, là-bas à droite, ma main est coupée, mais là-bas au bout, dans la gestion des nœuds, etc., ça reste un petit peu alambiqué le truc parce que il y a des variations, il y a des nœuds qui changent de nom, qui changent d'emplacement. Dans la hiérarchie, là vous voyez, vous avez une hiérarchie, vous avez les nodes, vous avez les geomesh, les splines, les geomodifiers. Il y en a qui apparaissent à un endroit, qui disparaissent pour aller ailleurs, qui changent de nom entre-temps. Il y en a même qui se retrouvent dans les vers dans la section expérimentale. Ça, j'ai du mal à comprendre. Alors, pour vous donner un exemple précis, si on va dans Cinema 4D 2023, on avait dans les Asset Construction, on avait le Geometry Modifier Group, et dans Cinema 4D 2024, c'est passé dans le Asset Construction et ça a changé de nom. Ça s'appelle le Nodes Modifier. Donc, ça change de place, ça change de nom, de version en version. C'est vraiment pas très agréable à utiliser. L'avantage, enfin, l'avantage principal des systèmes de nodes, c'est que quand on crée une série d'actions à la main, que l'on fait, je sais pas, je crée une nouvelle scène. Je prends un cube, je sélectionne les faces du. Alors, je le passe en mode éditable, je sélectionne les faces, j'utilise la fonction d'extrusion qui se trouve ici. Voilà, je fais. Alors, il faut que je paramètre extrusion sans préserver les groupes. Voilà. Quand on fait des choses comme ça, chaque fois qu'on le fait à la main, on utilise des fonctions du logiciel et ces fonctions, on peut les programmer ou les pré-programmer. Surtout si on en fait une série, là, si je fais une extrusion. Ensuite, les faces qui ont été extrudées, ce sont les faces sélectionnées. Donc maintenant, je peux reprendre un autre outil pour faire, par exemple, un inset. Je réduis, je crée des nouvelles faces plus petites. Je reviens dans le extrude. Et là, je vais pouvoir extruder ces faces. Bon. Clic, 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 clic. Ça va assez vite. Maintenant, si je veux changer la longueur de ma première extrusion, là,
Bah, c'est difficile de revenir en arrière. Et c'est là tout l'avantage de la programmation, de ce que l'on fait à la main, clic, 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 avec des nœuds, avec une série de nœuds, c'est qu'on va pouvoir les paramétrer et on va pouvoir faire varier les paramètres dans le temps. C'est-à-dire que j'ai une première extrusion, une deuxième, mais je vais pouvoir revenir en arrière pour changer la taille de la première extrusion. Ça, c'est un point tout à fait positif, et c'est surtout à ça que servent les systèmes de programmation par nœuds, nodes. Alors, pour reprendre cet exemple-là, en méthode nodes, attendez, je vais enlever le safe frame, voilà. Je crée un cube, et à l'intérieur, je vais ajouter un nodes modifier dans le cube, là au-dessus. Si je double-clique sur le Nodes Modifier, je rentre en mode édition de nœud. Alors là, ce n'est pas un nœud global à la scène. Donc dans le menu Mode, on n'est pas dans la scène. On est dans une capsule. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une série d'interactions avec des opérateurs et des fonctions qui vont travailler les uns avec les autres. Mais ici, on travaille uniquement sur ce node modifier, lui. Alors, cool. À gauche, j'ai ce qu'on appelle les entrées, les inputs. Notamment, j'ai la géométrie. Et j'ai la géométrie de l'objet, le cube, là. Le cube dans lequel se trouve ce node modifier. Par défaut, j'ai la géométrie qui rentre ici. Comme je l'ai fait précédemment rapidement, par défaut, quand on a une géométrie dans les nodes editor, on a par défaut toutes les faces de notre objet qui sont sélectionnées. Donc on va pouvoir faire ce que j'ai fait précédemment à la main, c'est-à-dire créer une extrusion. Et là, ça se complique un peu parce que c'est difficile un petit peu dans les listes là. Dans les listes du Asset Editor, d'autant plus que les noms changent suivant si on est en France, enfin si on est sur un cinéma 4D en français, en anglais, les noms ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que moi je m'en tiens aux versions anglaises et point barre. Là, si je veux éditer mon cube dont j'ai la géométrie ici en entrée, si je veux éditer ce cube et lui faire une extrusion, c'est pas évident de savoir où ça se trouve. Là, je sais que je suis dans la section Nodes. On peut faire une sous-sélection là en haut, Nodes, ok. Est-ce que c'est un modifieur, un géo mesh? Non, apparemment, c'est pas un objet géométrique. Est-ce que c'est un modifieur? Oui, il se trouve ici dans Extrude. Alors, il y a deux avantages. C'est que dans le Asset Browser, là-bas en haut, si vous savez que vous voulez faire une extrusion, vous pouvez taper Extrude dans la zone de recherche, ou Extrude, et vous voyez deux nodes. Un node Extrude Line et un node Extrude Operator. Il s'avère que le node Extrude Line, ici, puisque je n'ai affaire qu'à une géométrie, le Extrude Line, je m'en fous, quoi. Moi, je voudrais avoir directement cet extrude. Bon, je peux le glisser ici, dans la zone de mon node editor. On peut faire autrement. Quand on est, ça c'est un avantage aussi. Quand on est en mode édition, on clique là. Et si on fait Shift C, et si on tape Extrude, on a la liste. Et vous voyez que la liste ici, elle est plus longue que les résultats que l'on a ici dans le Asset Browser. C'est parce que là, quand je tape Extrude ici dans le Asset Browser, si je l'ai limité aux nodes, je n'aurai que les nodes. Si je me mets en auto, j'en ai 1, 2, 3, 4. Si je me mets en all, j'en ai 1, 2, 3, 4. Non. Oui, 4. Si je viens ici dans mon éditeur de nœuds, et que je fais Shift C et que je tape Extrude, là c'est bizarre parce que j'en ai plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ça, c'est un désavantage. Il y a eu une espèce d'incohérence, puisque dans le Asset Browser, là, je suis sur All. Moi, je veux voir tous les résultats. Et tous les résultats ici, ça n'est pas tous les résultats que j'ai dans cette liste de commandes. Bon, admettons. Ok, c'est pas grave. Certains sont grisés parce qu'ils ne sont pas utilisables directement ici. Je ne peux pas les glisser là. Ce sont des fonctions qui font partie de toute la liste des commandes qu'on va pouvoir utiliser ailleurs, soit dans les objets, soit dans des scripts ou ailleurs. Mais ici, dans le commander, alors que c'est bien indiqué hein, sur le titre de la fenêtre ici, quand j'ai fait Shift C, on accède au commander entre parenthèses node. Donc il ne devrait me lister que les nodes. Et il ne me liste pas que les nodes, il me liste d'autres choses. Donc il va falloir, suivant la version de l'affichage de votre commander list. Ici je suis en mode liste, là en bas à gauche. Je peux être en mode grid. C'est un petit peu plus difficile à comprendre. Et vous avez un zoom là en bas. Si vous zoomez assez avec la petite barre ici, vous avez les noms. Vous avez des icônes qui sont grisées, donc vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas peut-être pas les utiliser directement dans les nodes ici. Vous avez des traits oranges sur ces icônes là en haut qui vous disent que vous pouvez les utiliser directement ici. Ben, c'est pas super évident à comprendre. Moi, je préfère le mode liste. Si on diminue le zoom de la liste à tout à fait à gauche, on n'a que les noms des fonctions et les couleurs. Et éventuellement le petit trait à gauche orange qui nous permet de savoir que c'est un outil qu'on peut utiliser dans le Node Editor ici. Je préfère agrandir un petit peu parce que juste en dessous du nom, j'ai la hiérarchie de la fonction. Par exemple, cet extrude, le premier extrude, extrude, le premier, c'est un Node Editor, Nodes, Geo, Modifier. Ça veut dire que je vais le trouver là dans la liste des nodes, dans alors si je me mets dans All, je vais le trouver dans la liste des nodes, Geo Modifier, et là on devrait avoir Extrude. Voilà. Bon, il est au bon endroit. Ok. Je reviens ici, clique ici, Shift C, Extrude. Alors je double-clique, ça me l'ajoute. Très bien. Je connecte la géométrie d'entrée, puisque là je suis en train d'éditer le node modifiers qui se trouve là au-dessus dans mon cube. La géométrie d'entrée, je la rentre dans mon extrude. Et vous voyez que là on n'a rien qui s'affiche à l'écran, alors que j'ai bien un cube. Si je désactive le nodes modifier, mon cube est là. Si je le réactive, je n'ai rien parce que je prends la géométrie de l'objet parent, celui qui se trouve au-dessus, je vais l'extruder et je vais sortir le résultat ici dans la géométrie de sortie. Et voilà mon objet apparaître. Il est passé à travers la fonction extrude. Et dans cette fonction extrude, on a des paramètres ici. Alors je me vire de l'écran. On a des paramètres là à droite qui nous permettent de dire si on fait une extrusion sur les points, les polygones, les côtés. Alors disons qu'on va travailler sur les polygones. Sur quelle sélection on travaille? Alors par défaut, il travaille sur la sélection par défaut. Et la sélection par défaut pour un objet paramétrique, ce sont toutes les faces. Mais je pourrais très bien mettre All ici à la place. Donc il prend toutes les faces et il va les extruder avec un offset. Un offset de 20, 47, etc. Avec une certaine distance. Alors je vais mettre 150. Ok, donc là j'ai paramétré la façon dont l'extrusion se fait. Chaque face de mon objet géométrique d'entrée est extrudé par cet élément extrude qui est une fonction et le résultat est renvoyé là et le résultat va remplacer le cube de base.
ils ne s'ajoutent pas, c'est pas des extrusions en plus, ça remplace l'ensemble. Il prend le cube, il extrude les faces. Ok. Maintenant que les faces ont été extrudées, et ça, ben, ça s'invente pas, il faut le savoir. Si je veux faire une autre extrusion, je fais donc, je clique ici dans le vide, je fais Shift C et je réutilise Extrude, le node. Je dis, tu sais quoi, tu réextrudes à nouveau. Donc là, il se passe rien puisque cette fonction, la sortie n'est pas connectée à la sortie géométrique. Quand on est en mode édition d'un nœud, ici, en mode capsule, quand on édite une capsule comme le Nodes Modifier, on a des données d'entrée et on a des données de sortie. Les données de sortie, pour l'instant, c'est le premier extrude. Si maintenant je mets le deuxième à la place, j'ai une autre extrusion. Donc, je vais l'appeler, alors si je double-clique sur le titre extrude, je l'appelle extrude.2. Lui, je double-clique, je l'appelle extrude.1. Et si je viens sur le 2 ici, j'ai les paramètres à nouveau. Alors, la sélection, c'est la sélection par défaut. Et la sélection par défaut ici, ça s'invente pas, il faut le savoir. C'est que quand vous avez fait un premier extrude, comme quand on le fait à la main, on va le refaire ici à la main. Je prends un cube, je le convertis en objet éditable, je sélectionne ses faces, j'utilise l'outil d'extrusion. Alors là, j'ai le Preserve Groups qui est actif, je l'enlève. Donc j'extrude sans préserver les groupes. Et maintenant, vous voyez en fait que je suis dans l'outil d'extrusion encore, et vous voyez que les faces sélectionnées, ce sont l'extrémité des nouvelles faces qui ont été créées par la fonction extrude que je viens d'utiliser à la main en utilisant l'outil qui se trouve là. Donc si je reviens sur ma fonction ici, sur mon autre scène, Nodes Modifier, quand je fais ce premier extrude, la sélection par défaut, ce sont les nouvelles faces qui ont été extrudées. Donc si je mets une nouvelle extrusion, elle va s'exercer sur les faces sélectionnées par défaut. Et les faces par défaut, ben, c'est les faces qui ont été extrudées sur l'extrude numéro 1. Donc là, sur l'extrude numéro 2, je vais à nouveau extruder les nouvelles faces. Si à la place de default, je mets all, il va prendre toutes les faces qui vont être extrudées. Ou si au lieu de ça, je veux extruder les edges, les bords, il va prendre tous les bords. Si je mets default, il va prendre les bords par défaut, mais puisqu'il n'y avait aucune présélection des bords, il extrude tous les bords, edges, tous. Et je peux lui dire ici use islands, c'est-à-dire qu'il fait un lien entre les bords. Voilà. Donc là, je vais pouvoir cumuler donc un premier extrude, un deuxième. Très bien. Donc j'ai mon cube qui a été modifié. Maintenant, si je prends un autre objet, prenons un objet simple, un cylindre, que je vais déplacer ici avec deux, voilà, quelques subdivisions, comme ça. Et maintenant, si je duplique ce node modifier, donc je le sélectionne, j'appuie sur CTRL, je le glisse dans cylindre et il me fait la même chose que ce qu'il a fait auparavant. Le problème ici, c'est que ces deux nodes modifier sont indépendants. Le nouveau ici, que je vais appeler nodes modifier.2,
C'est une copie de l'autre, mais il est complètement indépendant. Si je double-clique sur son icône, je vais pouvoir aller par exemple dans Extrude 2 et changer la taille de l'extrusion, de la deuxième extrusion de ce cylindre. Ou changer la taille de la première extrusion du cylindre sans que ça n'affecte le premier. Alors, c'est bien quand on a des choses répétitives à faire avec des paramètres différents. Et par contre, il faut aller dans l'éditeur de nœuds pour changer les paramètres. Mais voilà un point positif dans l'édition, dans l'utilisation des nœuds, c'est que on peut faire apparaître les paramètres de modification là en bas, dans les attributs, plutôt que d'aller dans l'éditeur. Alors, je vais virer mon cylindre avec son extrusion par le Nodes Modifier. Je reviens sur le cube, sur le Nodes Modifier, je double-clique, il m'ouvre la fenêtre ici. Alors, si je veux changer la taille de la deuxième extrusion, je viens ici et je change la taille. Bien. Isolé ou pas, alors si je veux que ce soit pas isolé, ok, je change ça. Mais si je veux me créer des fonctions qui soient simples et compréhensibles, excusez-moi, ce serait bien que ce paramètre de la longueur pour le premier, ici, et le deuxième, je puisse y accéder sans avoir à chaque fois à ouvrir le node editor, accéder au premier extrude et ensuite accéder au second. Alors là où ça devient intéressant, puisque ça devient plus pratique, j'ai envie de dire, c'est que on peut, quand on est ici à droite dans le Nodes Modifier, qui pour l'instant est un élément donc qui prend la géométrie d'entrée, donc le cube qui se trouve au-dessus, lui fait deux extrusions et ressort la géométrie en résultat. D'abord, on peut changer le nom. Je peux l'appeler double extrusion. Ça, c'est cool. C'est une double extrusion et l'icône me permet de savoir, et si je mets la souris sur l'objet, me permet de savoir que c'est un synode deformer object. Donc il va déformer un objet, l'objet dans lequel il se trouve. Donc ça c'est bien. Le problème c'est que si je clique sur ce double extrusion là, les paramètres en bas, j'ai juste il est actif ou pas. Est-ce que je le vois dans le viewport ou pas? Donc ça c'est les paramètres que l'on a par défaut ici. Et puis on a ces coordonnées. Mais ces coordonnées, c'est juste les coordonnées de cette fonction. Et je ne sais même pas pourquoi cette fonction a des coordonnées. Alors, si en fait je le sais un peu, c'est parce qu'on pourrait éventuellement utiliser les coordonnées de ce double extrusion pour faire varier l'extrusion, par exemple. Si je déplace les coordonnées en X, ça va agrandir la première extrusion. Si je déplace en Y, ça va agrandir la deuxième. Bon. Éventuellement, admettons. Mais il y a beaucoup plus simple que ça. Et ça, c'est un point fort, même si c'est un petit peu ambigu, hein. On a des données d'entrée, on les transforme. Enfin, on a une géométrie d'entrée, on les transforme. Et on a des géométries de sortie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir exposer des paramètres. Alors, exposer des paramètres, ça veut dire que si je sélectionne Extrude 1, la première extrusion, qui a un offset ici, qui a une certaine valeur, je vais le mettre à 100. Alors, on a un petit bouton rond là. Si on clique dessus, on a une fonction connect node. Soit on le connecte à un nœud existant et aux entrées,
ou add new input. Donc, je refais, hein. On sélectionne extrude 1, offset. Ici, sur le petit rond, je connecte ce nœud. Alors, je connecte en fait pas ce nœud, mais le paramètre offset de ce nœud. En cliquant là, je le connecte. Existing nodes, roots. Et on a une fonction qui s'appelle add new input. Je vais cliquer et je ne sais pas si vous avez vu ce qui est apparu là à gauche. On a maintenant dans notre bloc extrude 1, la première extrusion, l'offset est connecté à un paramètre d'entrée. Et ce qui devient intéressant, c'est que quand je suis ici dans la liste des objets, si je sélectionne mon double extrusion, en bas là, j'ai l'offset. Et je vais pouvoir agir directement ici sans passer par l'interface de l'éditeur des nœuds. Alors, je redouble-clique sur l'icône du double extrusion parce qu'il y a une autre façon de faire ça. Je vais annuler jusqu'à ce qu'il m'enlève. Voilà. On peut ici sur ce système extrude faire un clic droit et puis lui demander d'afficher Add Input All. Voilà. Et là, je vois tous les paramètres que je peux utiliser en entrée, qui sont en fait tous les paramètres qui se trouvent dans cette liste-là à droite. Et dans ces paramètres, on a l'offset. Donc au lieu de faire offset connect node existing root add new input pour que ça devienne une nouvelle entrée dans l'interface, je peux cliquer directement sur l'offset ici, le petit rond, l'amener là à gauche et add new input. Donc maintenant, j'ai une nouvelle entrée qui s'appelle offset et dans mon nœud double extrusion ici, j'ai l'offset. Alors, si je fais un clic droit sur offset ici, clic droit, je peux faire un edit port, un rename, non? Où est-ce qu'on peut faire un rename? Alors attendez, je fais un clic droit. Il faut aller dans edit port, puisque c'est un nouveau port, un port d'entrée, sortie. Et ce port, je vais l'appeler offset. Premier. Voilà. Et c'est une valeur de type float, c'est un nombre à virgule avec une précision de 64 bits. La valeur par défaut, c'est 20. Le step, si je modifie le curseur, ça va être de 1 cm. Bon, voilà. Maintenant, si je reviens donc sur ce double extrusion, ici en bas, j'ai offset premier. Et là, je vais pouvoir changer. Ah, attendez, je vais cliquer. Voilà. Offset premier, je peux changer directement ici. Donc, je travaille sur ma scène et tout, je prends ma double extrusion et je change le premier offset. Alors, je redouble-clique sur Double Extrusion et je vais faire la même chose ici pour lui. Je vais connecter son offset de Extrude 2 sur un nouveau nœud, Add New Input, donc il s'appelle Offset. Alors je peux double-cliquer en fait et l'appeler Offset 2. Et maintenant, quand je travaille sur ma scène, quand je sélectionne ma fonction à travers un nœud de double extrusion, j'ai le premier offset, la longueur du premier offset, et j'ai la longueur du deuxième. Et ça, j'avoue que c'est relativement pratique, même si c'est un petit peu étrange. J'aurais préféré ici qu'on ne connecte pas à l'envers les éléments, mais qu'on ait peut-être une autre section ici qui s'appellerait les paramètres exposés, exposed parameters, pour dire voilà, j'expose dans l'interface tel paramètre ou tel autre.
Bon, pour l'instant, ça se fait comme ça marche, c'est déjà bien. Voilà. Alors, autre avantage. Maintenant, dans vos presets, si vous vous mettez soit en auto, soit en all, vous avez une liste de presets. Moi, j'ai une liste qui s'appelle, enfin, dans cette liste, j'ai une section qui s'appelle Mine. Je vais en créer un autre. Donc, je fais un clic droit là dans le vide et je vais créer une catégorie que je vais appeler mes extrusions. Ok. Donc j'ai une catégorie qui s'appelle mes extrusions. Et maintenant, si je prends cette fonction que j'ai programmée avec une série de nœuds et que je la glisse ici, il me demande de lui donner un nom et un numéro de version. Et il me demande où est-ce que je vais enregistrer cette fonction, puisqu'en fait, ce que j'ai programmé, c'est une fonction qui fait une double extrusion, soit dans les préférences, soit dans la scène en cours. Si je l'enregistre dans les préférences, ça veut dire que cette fonction sera accessible dans d'autres scènes. Donc là, je fais OK. Et voilà ma double extrusion. Et alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, si je crée une nouvelle scène, que je prends par exemple un torus. Alors je vais diminuer le nombre de sections et de subdivisions. Maintenant je prends ce double extrusion et je le mets dans torus et il me fait ce qu'il a à faire et j'ai accès aux paramètres directement là en bas. La première extrusion et la deuxième. Donc ça, c'est très pratique. Ce qui n'est pas pratique, par contre, c'est que si je fais une modification ici sur, donc je double-clique ici sur Double Extrusion, si je fais une modification ici pour en mettre par exemple une troisième Extrude, que je glisse donc là, et là, si je mets une troisième extrusion à partir des points avec une certaine taille, je vais mettre une taille variation d'offset, non, inset, voilà. Donc là, j'ai un extrude, je vais l'appeler extrude point. Aux points. La modification que je viens de faire là sur cette fonction, je l'ai faite uniquement ici. Elle n'a pas été faite là. Si je prends un cube, que je le pousse là, si je mets mon double extrusion sur le cube, que j'ouvre le double extrusion du cube, vous voyez que la nouvelle extrusion, elle n'a pas été ajoutée dans le double extrusion que j'avais programmé là et que j'ai modifié ici. Donc en fait à chaque fois on fait une copie mais qui n'est pas un clone. C'est une copie, c'est-à-dire que c'est une nouvelle version du truc qui est entièrement éditable. Une nouvelle version de la fonction qui est entièrement éditable. Ce qui fait que si je modifie ce double extrusion, enfin je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas si c'est possible ou pas de modifier ce double extrusion, mais là je ne vois pas de fonction qui permette de le faire, de modifier ça pour que ça, pour que si je modifie celui-ci, ça s'applique à tous ceux que j'ai utilisés dans mes listes d'objets là. Ça, c'est un inconvénient. Ceci dit, rien ne m'empêche de, puisque là, c'est une. Alors, attendez, c'est où dans le torus ici? Voilà. Rien ne m'empêche maintenant, dans cette version du truc, de l'appeler triple extrusion, de le glisser
ici dans ma liste de presets et de l'enregistrer. Ce qui fait que maintenant, si je prends encore un nouveau cube que je vais mettre là à gauche, si je lui affecte le triple extrusion, voilà, il a une extrusion triple. Je peux paramétrer la première extrusion, je peux paramétrer la deuxième, mais je ne peux pas paramétrer la troisième. Donc il faut que j'aille dans triple extrusion et que je lui dise ici dans extrude point, l'offset là, tu le connectes dans un new input. Au lieu de l'appeler offset, tu vas l'appeler offset 3, offset.3. Et ici, dans ce triple extrusion, maintenant, j'ai les trois paramètres. Première extrusion, deuxième extrusion, enfin, première, deuxième, et la troisième qui extrude les points. Mais je ne l'ai pas là. C'est-à-dire que ce triple extrusion là, si je double-clique, vous voyez qu'il y a un paramètre de offset de l'extrude point qui vient dans les entrées, qui s'appelle offset 3. Mais ici, en fait, je l'ai pas ici. Il n'est pas enregistré. Donc ça peut être un petit peu gênant. Dernière chose. Je pense pas que ce soit hors sujet, mais ça fait partie du sujet. Là, je viens de vous montrer comment, à partir des nodes, dans Asset Construction, à partir d'un nodes modifier, on peut prendre un objet, par exemple un cube, lui ajouter un nodes modifier, et je double-clique, je l'édite pour dire avec la géométrie, je vais faire ci ou ça. Il y a une fonction qui est pratiquement inverse, mais ce qui me dérange, c'est qu'elle est passée dans les fonctions expérimentales. C'est le groupe, je sais plus quoi, Object Group. Object Group, si vous le glissez là et que vous mettez le cube à l'intérieur, que vous double-cliquez sur l'icône de Object Group, vous allez pouvoir éditer. Et là, c'est une fonction un petit peu inverse, c'est-à-dire que cette fonction va travailler sur les objets qui sont à l'intérieur de la hiérarchie, va travailler sur les enfants. Sur ce qu'on a vu avant, on avait des objets et on ajoutait une fonction dont j'ai oublié le nom, node opérateur, non? Node modifier, voilà, dans asset construction. Donc on ajoutait un node modifier à notre objet. Là on fait l'inverse. On prend, et il est passé dans la section expérimentale, on prend un object group et on met des objets à l'intérieur. Et cet object group va pouvoir travailler sur les objets qui sont à l'intérieur. Bizarrement. Alors, bon, je vais finir avec ça, mais je vous le montre quand même parce que ça devient un petit peu plus complexe. Imaginez que je veuille récupérer les côtés de ce cube pour créer uniquement des côtés et pour ne plus avoir les faces du cube. Attendez, je mets caméra, c'est frame. Voilà. Sur mon Object Group ici, je vais pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle Edge to Spline, Edge to Line ou Edge to Spline. C'est Edge to Line. Voilà. Et je veux prendre dans ma liste d'objets, on va dire. Je veux rentrer un objet ici et je ne peux pas. Parce qu'en fait, le truc qui s'appelle objet, là, il devrait pas s'appeler objet, il devrait s'appeler object. Alors attendez, j'ai cliqué sur le petit triangle. Il devrait s'appeler object list.
et que je puisse choisir dans les objets qui sont à l'intérieur de mon objet, de ma fonction node, objet groupe, que je puisse choisir l'objet que je veux. Donc, le problème ici, c'est que pour déterminer quelle géométrie je veux en entrée de cette edge to line, c'est-à-dire je vais prendre tous les côtés de l'objet pour les convertir en ligne, eh bien, ce paramètre géométrie, si je le glisse ici dans la section des entrées, je vais pouvoir choisir une nouvelle entrée, Add New Input. Et dans la géométrie de sortie, si j'essaye de le mettre là, il me met un. Enfin, il insère un géométrie hop. Parce que là, on est sur un opérateur. On est sur un objet qui est un opérateur, qui va travailler avec les objets qui sont à l'intérieur. Donc, automatiquement, il me crée ce géométrie hop. Donc, je prends cette fonction edge to line. Et. Il me remplit automatiquement un objet géométrie opérateur qu'il connecte à la sortie. Mais il ne se passe rien là. Mon objet n'a pas été transformé en ligne. Donc c'est là où les choses se compliquent vraiment à mon goût dans Cinema 4D. C'est que on peut créer la connexion que je viens de faire. Alors je vais faire un disconnect. Je vais supprimer cette entrée. Remove port, voilà. Si je dis et je veux prendre une géométrie qui vient de l'entrée de mon objet. En entrée, il me propose scope. Bon, il se passe rien. Si je sélectionne Add New Input, donc j'ai une nouvelle entrée géométrique. Mais a priori, si mon entrée géométrique de mon cube, je la passe dans Edge to Line. Que je le convertis en opérateur et que je sors en opérateur, il se passe rien là. Parce qu'en fait, il ne sait pas comment interpréter ce truc. Donc il faut faire un clic droit sur Geometry ici, sur l'entrée, et lui dire exactement qu'est-ce qu'on attend dans notre entrée. Et là, il faut descendre dans le menu Add Nested Port. Il faut aller dans la section Object Bundle. C'est-à-dire que c'est les objets qui sont à l'intérieur de mon objet qui s'appelle Object Group. Et je vais prendre la géométrie. Et par défaut, il va prendre la première. Donc, le problème ici, c'est que la fonction Edge to Line prend une géométrie en entrée, sort une géométrie, me le convertit en opérateur, mais Edge to Line, ça veut dire que tu prends les edges, les côtés du cube, et tu me les convertis en ligne. Mais le cube, il est encore là. C'est parce qu'en fait, enfin, je n'ai pas spécifié précisément qu'est-ce que j'allais prendre dans la géométrie ici. Donc, comme je vous le disais, là où ça se complique vraiment, c'est que là, c'est pas vraiment une géométrie, c'est un objet. Et il va falloir que je dise ce que je veux prendre dans cette section objet. Donc je fais un clic droit et dans Edit Port, donc ça c'est un port d'entrée, dans la section Advanced, voilà, ici dans Scene Port Mode, je lui dis c'est un objet. Donc là je rentre un objet. Ok, donc par défaut il prend le premier. Et en fait maintenant ça marche, sauf qu'on ne le voit pas puisque mon object group a été désactivé. Je le réactive, on a bien le résultat que je souhaitais obtenir. Donc je refais, parce que c'est vraiment important d'arriver à comprendre ça. Je sélectionne cette entrée, je la supprime. Bon. J'ai un object group. Dans ce groupe, il y a des objets. Par exemple, il y a un premier cube. Je veux prendre les éléments de ce cube, la géométrie, convertir cette géométrie edge to line, la convertir en ligne, en créer une nouvelle géométrie dans un opérateur et ressortir ça comme un opérateur. Donc,
Je connecte la géométrie ici à l'entrée. Je vais lui dire quoi? Je veux quoi? Je veux une nouvelle entrée. Alors, si je prends la géométrie, il se passe rien. Il faut que je lui dise quel type de géométrie j'utilise ici en entrée. Donc, clic droit sur géométrie. Nested Ports, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette géométrie, je vais utiliser autre chose. Et là, pour le coup, je vais dans Object Bundle. Le bundle, c'est en fait si on a plusieurs objets dans notre objet. Et on va prendre la géométrie des objets qui sont à l'intérieur. Donc je vais prendre Object Bundle Geometry. Ça ne marche toujours pas. Je n'ai pas de conversion de mes côtés en ligne. C'est parce que il ne faut pas que j'utilise la liste des objets parce que ça devrait s'appeler Geometry List Objects. Donc les objets qui sont dans mon object group, je vais prendre la géométrie du premier objet qui se trouve là. Alors, ça marche encore pas parce qu'il sait pas quoi faire de ça. Donc, il faut que je fasse un clic droit, Edit Port. Et là, que je lui dise dans le Syn Port Mode que c'est une liste d'objets. Alors, je vais virer ce lien. Voilà. Donc, je crée une nouvelle entrée qui est une liste d'objets. Dedans, je crée une première géo. Enfin, l'accès à la première géométrie que j'ai. Et maintenant, si je le connecte ici, voilà. Là, j'ai uniquement les lignes qui apparaissent. Donc, ce qui est un désavantage et qui est difficile à comprendre dans l'édition de Neue sur Cinema 4D, c'est qu'est-ce qu'on a en entrée? Parce que des fois, les noms sont les mêmes, donc on se dit que ça va marcher, mais c'est pas la même chose. On n'est pas en train de faire rentrer ce que l'on souhaite faire rentrer. Je vous le refais une dernière fois pour mieux qu'on comprenne. Excusez-moi, j'ai supprimé les entrées, la géométrie, list object et géométrie. Donc, géométrie, je veux une entrée. Je vais rajouter une nouvelle entrée, add new input. Ok, je rentre une géométrie, mais il se passe rien. Parce qu'en fait, cet objet, ok, pour l'instant, il est vide en fait. Donc, clic droit, add nested port, object bundle et géométrie. Donc, je veux rentrer une géométrie. Et si je l'ouvre, j'ai bien une géométrie à l'intérieur. Et si je connecte cette géométrie ici, il se passe rien dans le viewport là. C'est parce qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est que cet input. Donc, il faut faire clic droit. Edit porte pour lui dire et cette entrée c'est un objet. Donc si je ferme voilà input si je le ferme j'ai une entrée avec un objet. Si je l'ouvre j'ai accès à la géométrie de cet objet. Le voilà, je le rentre ici, j'ai bien une conversion des côtés vers des lignes que je passe par un opérateur pour que ce soit visible. Et cerise sur le cake, si je prends par exemple une sphère et que je la mets dans mon object group ici, eh bien, vous voyez que le cube est visible et la sphère, si je la pousse, eh bien, on la voit comme une ligne, comme un contour de sphère. Si je mets le cube au-dessus, c'est le cube qui est visualisé comme une ligne. En fait, ici, je lui ai dit de prendre le premier qu'il trouve. Et c'est là où ça devient de plus en plus complexe. C'est qu'il va falloir rajouter différentes entrées, faire des boucles sur les entrées pour dire, écoute, si tu contiens 3 ou 4 objets, passe par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, tu les additionnes, tu les lis ensemble, tu les connectes ensemble et tu me fais un edge to line avec ça et tu me le convertis en opérateur géométrique, tu le convertis en une ligne et là tu le sors en tant qu'opérateur.
On est à 50 minutes. Voilà. Juste par quelques exemples, les avantages et inconvénients des node opérateurs, des opérateurs de nœuds. Dans Cinema 4D, alors c'est très très bien, comme dans les autres softs, c'est bien, c'est en bonne voie, mais je trouve vraiment que ça continue à rester très expérimental. Notamment le fait que les noms changent d'une version à l'autre, les emplacements des nœuds dans les structures changent, les fonctionnalités et tout, ça c'est naze. Le fait qu'on puisse exposer des valeurs pour qu'elles soient éditables dans les paramètres, là, ça c'est bien. Le fait que quand on modifie notre opérateur global, dans la librairie, ça modifie pas les copies qu'on a faites dans les objets, ça c'est pas bien. Enfin bref, voilà ce genre de choses. Allez, j'espère que j'ai été compréhensible et pas trop long. Donc, comme d'hab, si vous avez j'aimais, vous j'aimez, si vous avez j'aimais pas, vous j'aimez pas. Et un commentaire. Et depuis hier là. Je vous mets en lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus et m'aider à ce sujet, notamment pour payer les licences des softs et tout pour faire des tutos. Bon, ça prend du temps, c'est une chose, mais ça c'est moi qui le choisis. Le problème c'est que ça coûte des sous. Donc si vous voulez faire un petit don par mon compte de don PayPal, vous aurez le lien. Dans la description sous la vidéo. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ce que vous voulez, week-end, semaine. Ça dépend où vous êtes et quand vous êtes et dans quel espace-temps vous évoluez. Donc à très vite et prenez soin de vous. Ciao.